Hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je souhaite la bienvenue à tout le monde dans ce nouveau weekly vlog, ok, bienvenue surtout aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas à vous abonner également si vous voyez ma tête pour la première fois, juste là en bas c'est s'abonner en français ou subscribe en anglais, c'est absolument gratuit, ça ne coûte rien. Ensuite, activez la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, sur ma chaîne, on parle de développement personnel principalement, ensuite de beauté, de santé, de spiritualité, tous les sujets qui peuvent vous permettre de vous développer ou bien d'évoluer. Alors, aujourd'hui, nous sommes samedi. Ok, je commence ma semaine le samedi parce que avant ça, je n'avais rien à faire. Quand je dis rien, c'est vraiment rien. J'étais à la maison, je mangeais, je dormais, je visionnais, manger, dormir, visionner, manger, dormir, visionner. Ok, vous voyez, si vous voyez bien, vous allez constater que j'ai pris un peu de poids, ok, donc je suis toujours acribée, comme je vous l'avais dit, c'était quand je suis arrivée. Si je suis arrivée ici quand? Le dernier vidéo que j'ai fait, dans mon dernier weekly vlog, de toute façon, je vous l'ai dit que j'étais ici acribée. Pour le moment, j'ai pas fait d'activité parce que depuis que je suis arrivée, comme je vous ai dit, je mange, je dors. Et tout, et tout, et tout. Donc, c'est ça. Quand je suis ici, vraiment, je me repose. J'ai pas grand chose à faire. J'ai pas encore commencé l'école. Donc, je suis là. Je suis en repos. Et voilà. Alors, je voulais vous faire un coucou et ouvrir ce weekly vlog et vous dire que, bon, voilà, on va commencer une nouvelle aventure. Je vais essayer de filmer quelques trucs pour qu'il y ait quand même du contenu parce que je me suis promis que même si, je ne poste pas de vidéo. Et tout, je dois quand même faire un weekly vlog quand même, pour que vous voyez un peu quand même, un peu comment a été ma semaine et tout. Donc, je voulais aussi vous montrer quelque chose. Regardez ma peau. Look at my skin. Regardez ma peau, guys. Regardez. Sans make-up, sans filtre, au réveil, s'il vous plaît. Je n'ai même pas encore lavé mon visage. Je dis que l'eau n'a même pas encore touché mon visage, mais regardez. Regardez. Franchement, je suis trop fière de moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Mais il faut dire que franchement, prendre soin de sa peau, c'est pas chose facile, hein, mais c'est possible. Parce que moi, je ne suis pas richissime, je me bats quoi avec les moyens, avec le peu que j'ai. Et je vous ai fait une vidéo de comment je me suis débarrassée de mon acné. Vous aviez vu comment j'avais beaucoup d'acné dernièrement, c'était au mois d'avril, ça fait même pas longtemps. Vous pouvez aussi investir sur votre peau, franchement. Et il n'y a rien de mieux que de maquiller une belle peau. Et le make-up est encore plus beau lorsque tu as une belle peau. Donc, si. Et puis, tu n'as pas besoin de maquillage. On peut t'appeler, tu te lèves, allez, ready to go. Tu n'as pas besoin de chercher à camoufler un peu les taches ou bien les boutons. Non, franchement, avoir une belle peau, c'est la base. Et franchement, c'est un de mes objectifs de cette année que je me suis fixé, avoir une belle peau au cours de cette année. Donc, franchement, je vous encourage. Cessez la paresse et commencez à prendre soin de vous maintenant. On n'a qu'une seule vie. Arrêtez de procrastiner, ok? Vous pouvez commencer avec des astuces naturelles et tout. Vous testez jusqu'à voir ce qui va aller avec vous. Si vous avez assez de moyens, allez voir un dermatologue qui vous prescrit un bon traitement qui va vous aider. Comme je vous avais dit, moi, mon problème était d'abord hormonal. J'ai d'abord dû traiter mon acné de l'intérieur avant de maintenant adapter une routine skincare et tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai envie, comme je vous ai dit, je veux sortir, j'ai envie d'aller à la plage. Si j'y vais normalement, je vais filmer tout ça, ok? Et on se dit donc à tout de suite pour, à tout à l'heure pour la suite des activités. Et continuez de liker, vous abonner, commenter. Abonnez-vous, c'est gratuit. Tu ne payes rien pour t'abonner, c'est absolument gratuit. Et il y a de super vidéos qui arrivent pour ceux qui seront abonnés et qui auront activé la cloche de notification afin de recevoir un message à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Ciao!
Alors, on n'a Ou plus bien pu quand aller c'était à les la plage parce vacances, que vous au voulez. village du Maï, la C'est plage parce qui se que situe là-bas, il y a un papa qui agace les gens. Franchement, quand vous arrivez, il vous demande les 500 francs et tout. La dernière fois, il m'avait d'abord pris 100 francs. Et moi, j'estime que c'est inadmissible parce que la plage, c'est un lieu public dont on n'a pas à payer pour aller à la plage en fait. En plus de ça, ils vous donnent des exigences, vous n'avez pas le droit de vous filmer ici et là. Donc finalement, on a annulé la plage, on est allé dans ce petit resto situé toujours au village du Maï en face de l'hôtel de phare. C'est un petit restaurant de mon grand frère de cœur chéri. Odilon, je te fais un coucou si tu regardes cette vidéo. Donc on est allé là-bas. Franchement, le cadre est super propre et tout. Ils ont de très bons menus. Donc si vous arrivez à Kribi et que vous avez envie de bien manger, allez au village du Maï dans ce stand, vous allez le reconnaître. C'est pour ça que j'ai pris la peine de tout filmer. Donc on a pris un pot, étant donné qu'on n'avait pas prévu manger, on a juste pris à boire. Pour à manger sera la prochaine fois. Il nous a également offert une tournée, donc on a fini de boire. Voilà, moi j'ai pris ma Malta et puis je cherchais un bon coin pour faire de belles vidéos et de belles photos. On a bu, on est rentré. C'est vrai que la pluie nous a retardé et tout, mais c'était tout pour le bilan de cette journée. On va renvoyer la plage à une autre fois. C'est tout.